les quatre chèvres qui allaient à la fête. Il y avait une fois quatre chèvres qui allaient à la fête à soi, en dressant la tête et puis la queue, ma foi, elles étaient bien belles pour trouver des galants pour danser. Quand elles ont été au milieu du bois de Tourmoi, elles ont rencontré un gros loup qui leur dit « Thomas, mangez, grise !» Quand elles furent à soi, vous pouvez croire qu'elles ne songeaient plus au loup. Des chevaux de bois tiraient à grand force, on menait le violon de tous les côtés, et puis cela sentait la bonne fête qu'il n'est pas très vite. Durant les deux jours, elles ne firent que de virer, que de sauter et bien sûr qu'auberger, si bien qu'elles ne se laissèrent pas un seul saut. Je voudrais bien me marier, mais j'ai trop peur de me tromper. J'aime mieux rester fillette, la verdurette durette. J'aime mieux rester fillette, la verdurette du bois. Je ne veux point d'un mari chaud, j'aurais trop peur de son marteau. Son enclume par la tête, la verdurette durette. Son enclume par la tête, la verdurette du bois. Je ne veux point d'un cordonnier qui raccommode les souliers. Son haleine par la tête, la verdurette durette. Son haleine par la tête, la verdurette du bois. Je ne veux point d'un vigneron. Il n'y a point de beau garçon. Toujours le nez en terre, la verdurette durette. Toujours le nez en terre, la verdurette du bois. Mais je veux bien d'un jardinier, c'est un joli petit métier. Pour me compter fleurette, la verdurette durette. Pour me compter fleurette, la verdurette du bois. Cela alla comme cela, jusque vers le roi, et quand il fallut y entrer,
pauvre chèvre commencèrent à trembler comme des gravelots. On pouvait croire. On ne voyait pas goutte. Et puis elles se ravisèrent qu'elles avaient vu le loup en venant. Ah, foi ! Elles n'osaient pas avancer, mais une voulait passer la première. Mais il n'y avait pas d'autre choix, il fallait passer. Allons, nous ne pouvons pas demeurer ici. Il faut rentrer comme nous sommes venus. L'une après l'autre, moi j'irai devant. Je n'ai pas peur, j'ai de bonnes cornes. Fut dit, fut fait. Les voilà qui entrèrent au bois en se tenant par la queue pour ne pas se perdre. De là, tant qu'elles avaient peur, elles ne soufflaient pas un mot. Vous pouvez croire. Tout pour un coup, Berdouf, voilà que le loup tomba comme le tonnerre en ouvrant une gueule qu'elles y auraient bien entrées toutes les quatre. Elles tressautèrent si fort en braillant que d'un peu plus elles se seraient arrachées les queues. Les voilà vers le loup. Il n'y avait plus moyen de moyenner ce coup-ci. Eh bien, laquelle est-ce que vous croyez que le loup a mangé ? La déplumée ! Top mec ! Alors nous allons faire une pause et nous reprenons une scénette tout à l'heure.